premier choix, ça serait des romans, de la lecture. Mais je vais échapper ce choix-là parce que je pense que physiquement, la réaction la plus forte que j'ai eue jamais à une œuvre artistique, c'était Guernica de Picasso. Parce que je m'attendais pas à le trouver comme ça dans la salle. Et je me suis retourné. C'était la première fois que j'ai eu quelque chose de vraiment physique. C'était entre malaise et être bouleversé en même temps. À cause d'un peu de choses que quelqu'un a mis sur une toile. J'étais complètement... ça m'a touché comme c'était physiologique. Et ça, voilà, je l'ai eu plein de fois, j'étais ému, éclairé, touché par des romans, par de la littérature, par des spectacles de théâtre sûrement. Mais j'avais jamais eu quelque chose comme ça au stomac, à la tête, c'était un peu partout, c'était comme un malaise. Et j'ai passé tout un après-midi en face de Guernica et même maintenant je parle de ça, il y a quelque chose qui... il y a un effet physique. Ouais, je peux pas l'expliquer, mais c'était la seule fois que j'ai eu quelque chose de physique et immédiat à cause du contact premier en juste quelques secondes avec une œuvre d'art.